Beaucoup de détracteurs du pasteur Marcelo attendaient qu'on les annonce le pire. Qu'on les annonce que le pasteur Marcelo a succombé. Qu'on les annonce que le pasteur Marcelo n'a pas supporté au choc qu'il a eu. Et voilà, le pire est arrivé. Sauf que, comme Dieu est Dieu, depuis quelques jours, le pasteur Marcelo publie les images où il a retrouvé le sourire et où il est même en Europe. Question de libérer un peu ses esprits. Il a fait plusieurs posts en disant, il a commencé par dire ça fait 40 jours que maman Blanche est partie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire, il y a un temps voilà. Comme je vous parlais donc de ses détracteurs, les gars sont en train de prendre les posts de pasteur Marcelo, toujours dans le négatif, en disant que non, le pasteur Marcelo, ce n'est pas encore le moment pour lui de présenter son sourire, ce n'est pas encore le moment pour lui de montrer qu'il est en joie, il a pleuré sa femme quand. Les réseaux sociaux, hein. Bref, parmi les posts de pasteur Marcelo, il y a un seul post qui m'a captivé et que j'aimerais partager avec vous. Je sais que vous êtes plus sur YouTube et non sur Facebook. Mais avant de lire le post, je t'invite à t'abonner à ma page si tu n'es pas encore abonné. Et surtout de partager cette vidéo si tu es content de voir le pasteur Marcelo Tsounassi en forme. En forme. Partage cette vidéo. Je lis donc. Pasteur Marcelo a partagé, ça fait 2 jours. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour l'enfance, un temps pour la maturité, un temps pour jeter les pierres, un temps pour les ramasser. Nos divergences, nos convictions contraires ne doivent pas faire de nous des ennemis. C'est Satan l'ennemi. Nos différends ne doivent plus se régler sur la toile. Je dis bien sur la toile, mais face à face. Si tu as le numéro, l'adresse et des gens qui connaissent ton frère, pourquoi lui parler sur la toile? Le réveil qui arrive existe de nous plus de maturité, d'amour, d'unité et de sagesse. Ne donnons plus au diable des âmes pour endurcir les âmes. Moment de partage avec le prophète. Voilà. Francis. Bon, c'est pas ça qui était important. C'est le texte qui était important pour moi et que j'ai tenu à partager avec vous. Donc, vous avez le numéro du pasteur Marcelo. Si j'avais un peu détaillé son texte, appelez-le pour lui dire ce que vous avez à lui dire. Ne venez plus sous la toile, vomi. Le pasteur, donc, c'est vrai que comme il a perdu sa femme, il n'a plus droit à une vie. Donc, il devait rester, continuer, même s'il devait rester dans la détresse pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça devait changer quoi? Ça devait ramener Maman Blanche? Non, quand même, n'exagérez pas. Il y a plusieurs sorties que les gens sont en train de faire concernant les publications de pasteur Marcelo. Non, franchement, c'est la preuve de ceci. Tu es en joie hier que... Non, quand même. Hier, qu'on a montré les images de pasteur Marcelo, il était hospitalisé, où il était faible, il était fini. Je n'ai pas vu les gens dire la même chose comme ils sont en train de dire aujourd'hui. Hein. Non, je n'ai pas vu. J'ai plutôt vu les publications des gens qui étaient plutôt contents de le voir dans cette situation. Aujourd'hui, quand on voit le pasteur Marcelo avec le sourire, il revient, ça les choque. Pasteur Marcelo, que Dieu te bénisse. On a parlé de pasteur Marcelo dans ces moments difficiles. Il faudrait qu'on parle aussi de pasteur Marcelo dans ces moments de joie. Pasteur Marcelo est en train de reprendre un peu. Et on voit comment le sourire, comment la forme revient. Nos parents nous disaient que quand tu perds un enfant, tu pleures, tu t'enroules au sol. Mais dès que le jour se lève, tu réfléchis comment tu vas remplacer cet enfant. Parce que même si tu fais n'importe quoi, l'enfant est parti. C'est quand ta personne est à l'hôpital que tu peux casser les papots, tu peux pour sauver la vie. Mais une fois parti, c'est parti. Il n'y a plus rien à faire. C'est Dieu. Personne au-dessus de God, les amis. Donc laissez pasteur Marcelo faire sa vie, continuer sa vie. Laissez pasteur Marcelo tranquille. Les amis, prions beaucoup et continuons à prier pour le pasteur Marcelo. Quant aux ennemis,
vous avez le contact des membres de la famille du pasteur Marcelo, comme il a dit, ou bien vous avez le contact du pasteur Marcelo, appelez-le une fois en direct et dire au pasteur Marcelo ce que vous avez, vous l'avez à lui dire, que de venir sur la toile raconter ce que vous avez à raconter. Entre temps, les jeunes frères qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, ne réfléchissez pas trop. ICT University vous attend les bras ouverts. Je dis bien, c'est l'une des meilleures écoles actuellement aux 237. Suivez mon regard. Vous rêvez d'une carrière dans les affaires ou la technologie? Commencez votre parcours académique avec une licence, un master ou un doctorat à ICT University. Postulez pour les prochains semestres d'été et d'automne. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ictuniversity.edu.cm ou appelez le 682 38 85 72. Faites le premier pas vers une éducation exceptionnelle et un avenir aux possibilités infinies dans la meilleure université numérique d'Afrique centrale.